Almost Silly Voice, la voix de l'ECC. Du Saint-Siège sous le guide éclairé de son président, le révérend pasteur Benoît Akande Adeogun, à qui nous rendons un vibrant hommage. Que la santé, la longévité, la paix et la bénédiction lui soient accordées par le Dieu, le prophète pasteur fondateur Samuel S. Samuel Bileou Joseph Oshofa, le Tout-Puissant et Miséricordieux. Amen. Dès lors, avec le concours et l'assistance permanente des éminents membres du comité directeur, nous nous sommes remis progressivement au travail. Ainsi, les activités de l'année 2024 ont commencé par l'organisation des cérémonies de présentation de vœux à tous les responsables des différentes structures de la région du 10 au 31 janvier 2024. Les chargés paroissiaux, les présidents des sous-régions, les présidents des commissions permanentes et spécialisées de la région du Zou, et enfin le président du bureau permanent. Ensuite, sur recommandation du Saint-Siège, nous avons initié une série de formations sur les nouvelles méthodes de gestion financière
conformément aux normes de l'OADA à l'intention des responsables régionaux, sous-régionaux et paroissiaux, ainsi qu'au niveau des commissions permanentes et spécialisées. C'était à la paroisse Michel Dardan au Bondi. Dans le souci de réglementer les structures des commissions, de les rendre plus efficaces et efficientes, le bureau permanent les a aidés à mettre sur pied leurs bureaux respectifs. Dans le même ordre d'idées, le bureau permanent des sous-régions de Didia A et Didia B ont été également formés et installés suivant les règles de l'art. En fin mars et courant tout le mois d'avril, une gigantesque tournée a été initiée par le bureau permanent de la région du Zou pour prendre contact avec les membres des bureaux permanents et les paroisses, les 17 sous-régions de sa juridiction, rassemblant ainsi les 548 paroisses. À ce niveau, les résultats sont épatants et réconfortants car partout, l'accueil a été chaleureux et convivial. Le message apporté par le bureau permanent de la rue du jour, qui concerne toujours la paix et la sensibilisation pour le respect des instructions et recommandations hiérarchiques, ont été acceptées dans une ambiance d'échange structurel. L'unité des sous-régions et paroisses du jour a été finalement réalisée, à part quelques poches de certaines sous-régions, dans certaines sous-régions qui sommeillent encore dans une vague hésitation coupable concernant les colères de personnes et méfiance pour la collaboration. Mais rappelons qu'avec la persévérance du bureau permanent de la région, dans les contacts et pour parler, cette réticence tend à être dissipée. Il s'agit des régions de Covet, des sous-régions de Covet, des sous-régions de Didia A et B et Zakota A. Dans les mois de mars et de mai 2024, les rituels de la semaine sainte de Pâques et ceux de la Pentecôte ont été religieusement observés et célébrés. Dans le domaine de la formation, la session organisée par le Saint-Siège en l'honneur de la communauté céleste du jour, a été reprise en mai-juin pour la sous-région de Mwenri B, naguère empêchée pour piste d'accès non praticable à cause de l'inondation dans la région. Cette session de formation, qui a duré 2 jours, a été un succès éclatant. Dans le mois de septembre, en collaboration avec les bureaux des commissions spécialisées, à savoir la chorale et la NFEC, la journée internationale de la chorale GIF et la journée et la journée internationale de la femme chrétienne céleste GIF ont été célébrées en beauté dans une liesse et une satisfaction totale. En matière de conflit entre les structures, nous avons initié des réunions de règlement à l'amiable. Des avancées significatives ont été notées et les négociations se poursuivent et promettent une entente relative. Au niveau de la commission de sécurité, certaines plaintes sont parvenues au bureau permanent de la région du Zou. Les tentatives de règlement ont échoué et nous ont conduits au comité directeur du Saint-Siège. La situation est plus ou moins apaisée et sous contrôle malgré quelques renseignements qui perdurent. Au plan social, le bureau permanent de la région du jour a organisé 2 obsèques sur son territoire. Celle du feu président de la sous-région de Mwenri A, feu vénérable suprême évangéliste Joseph Falongo, et feu sœur Laurette Kossou de Covet. La région a participé également à l'enterrement du feu président Adjacent François de la région de l'Atlantique
et celui du pasteur Albert Ngwandalo, deuxième vice-président du comité directeur du Saint-Siège. La supervision et la facilitation des fêtes de moisson et actions de grâce, suivies d'appels de fonds par les membres du bureau permanent et les présidents des sous-régions, ont été bien assurées. Le samedi 19 octobre 2024, la communauté chrétienne céleste du jour a reçu en assemblée générale à la paroisse Saint-Michel d'Adam-le-Podi une délégation du comité du Saint-Siège dans le cadre de la vulgarisation de l'appropriation de documents stratégiques du développement et de l'aménagement du site du pèlerinage international SBJ Oshofa à Saint-Michel. Cette vaste campagne de sensibilisation suit son cours dans les différentes cultures. La participation régulière d'une délégation du bureau permanent aux assemblées générales du comité directeur du Saint-Siège. Voilà, chers éminents membres du comité directeur du Saint-Siège, réunis en conseil diocésain, l'essentiel des activités menées dans la région du Jou sous l'autorité de son bureau permanent. Quelques difficultés cependant. Quelques poches de résistance subsistent encore, on l'a déjà dit, dans certaines sous-régions. Cela relève d'un problème de mépris, de méfiance et de réserve dans la collaboration, surtout avec les proches. Comme solution et perspective, nous notons que, fort heureusement, l'adhésion progressive et la participation de ces devanciers qui se disent rebelles ou groupes de devanciers aux activités de la région comme réponse au courrier administratif, assistance aux réunions, libération des cotisations diverses et gestion des fêtes des moissons a été bien observée sous l'autorité du bureau permanent du comité transitoire de la région du Jou. Toutefois, des actions de sensibilisation sont engagés et se poursuivent pour l'atteinte de l'objectif conflit zéro dans la région du Jou. La somme de 6 500 000 francs pour financer les activités. Nous n'avons pu mobiliser que 4 906 000. Et nous avons dépensé 4 449 240 francs. Le solde actuel est de 401 360 francs. Dites-nous les grands postes de dépenses. Les grands postes de dépenses ont été essentiellement. Je suis sur le document. Oui. Les grands postes de dépenses ont été essentiellement le budget de fonctionnement qui concerne l'achat de fournitures, les primes de déplacement, d'entretien et participation à certains appels de fonds au niveau du secteur. Merci. Projet d'activité 2025. Pour améliorer les prestations des diverses structures de la région, nous avons prévu organiser des séances de formation à leur intention en collaboration avec la commission de formation du comité directeur du Saint-Siège. Deux, nous avons voulu, pour assurer un meilleur suivi des fêtes de moisson et toute action de grâce, nous avons voulu associer toutes les structures de base pour une meilleure mobilisation des fonds, puisqu'ils n'y comprennent pas et tentent de faire certains jeux que nous sommes en train de suivre pour un meilleur rendement. Poursuivre les contacts et sensibilisation avec les quelques groupes de devanciers encore réticents pour leur aliment
au commandement de la région du jour et faire la paix entre eux. Aider les différentes structures des chorales et des femmes en vue de mieux dynamiser ces structures pour une meilleure célébration de la GIC et de la GIF 2025. Prévoir et organiser, puisque nous n'arrivons pas à atteindre cet objectif les années précédentes, l'administration de la Seine-Saint-Denis 4 fois dans l'année, conformément aux recommandations spirituelles du grand pasteur fondateur. Une meilleure gestion des semaines saintes de la Pâque et de Pentecôte, puisque par endroit, on note une différenciation, une différence entre les différentes pratiques au cours de ces manifestations spirituelles. Assurer les différentes cotisations statutaires et extraordinaires qui sont sollicitées tant par les structures horizontales que verticales. Une meilleure organisation des réunions statutaires au niveau de toutes les structures, puisque les périodicités qui sont dictées aux structures ne sont pas souvent respectées. Nous voulons y travailler pour pouvoir les rendre effectives. Organiser encore la tournée dans les sous-régions est annuelle. Donc en 2025, nous tentons de repasser pour être en contact avec les administrés encore une fois. Encourager l'administration, l'animation des cours publics et l'école de dimanche des enfants amis de Jésus au niveau de ces structures qui sont en gestation dans la région actuellement. Superviser toutes les organisations religieuses sur toute l'étendue du territoire de la région. Je vous remercie. Homo Sele Voice, la voix de l'ECCI.